بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم mes chers élèves de troisième année. L'exercice de l'hypocence. Alors on a vu les propriétés, on va essayer d'appliquer en simplifiant ces écritures-là avec A un nombre réel différent de 0. Je commence par la première expression. Alors vous avez A puissance 7 multiplié par A puissance moins 4. C'est le produit de deux puissances avec la même base. Je conserve la même base. Et je calcule la somme des deux exposants, c'est 7 plus moins 4. Voilà, faites attention, on conserve la même base et on calcule la somme des deux exposants, ce qui va nous donner A puissance, 7 plus moins 4, c'est 7 moins 4, c'est 4 3. Deuxième expression, A puissance 3, le tout puissance moins 2. Alors ici, vous avez la puissance d'une puissance. Pour calculer, on conserve la même base et on calcule le produit des deux exposants. Le produit des deux exposants. Ça va nous donner donc A puissance 3 fois moins 2, c'est moins 6. Voilà. Troisième expression, vous avez A puissance 11 sur A puissance 3. C'est le quotient de deux puissances avec la même base. Qui est égal donc, on conserve la base et on calcule la différence des deux exposants. 11 moins 3, qui est égal donc à A puissance 8. Alors faites attention pour ne pas confondre les trois propriétés. Ici, le produit de deux puissances avec la même base. Ici, la puissance de deux puissances. Ici, c'est le quotient de deux puissances avec la même base. Là, c'est la somme. Là, c'est le produit. Là, c'est la différence. Quatrième expression, vous avez A puissance 2 fois A puissance moins 3. Le tout sur A puissance 5, qui est égal donc. Je peux commencer par simplifier cette écriture-là, A puissance 2 fois A puissance moins 3. Ça va nous donner donc A puissance 2 plus moins 3, le tout sur A puissance 5. Ce qui est égal donc, 2 plus moins 3, c'est moins 1, donc on aura A puissance moins 1 sur A puissance 5. Voilà, maintenant je vais calculer le quotient des deux puissances qui ont la même base, qui est égal donc à A puissance moins 1 moins 5, qui est égal à A puissance moins 6. Je peux même commencer par le quotient d'abord et après la multiplication. Je peux calculer le tout en même temps, regardez bien, je peux écrire cette expression directement intégrale à puissance 2 plus moins 3. Et moins 5, qui est égal à A puissance 2 plus moins 3, c'est moins 1, moins 1 moins 5, c'est moins 6. On trouvera le même résultat. Voilà, on passe à l'expression suivante. Donc l'expression suivante, A puissance 4, le tout puissance moins 3, fois A puissance 8. Alors ici aussi, vous avez d'abord la puissance de deux puissances, et vous avez aussi le produit de deux puissances de même base. Donc, il est égal, par exemple, je peux commencer par calculer la puissance de deux puissances, c'est A puissance 4 fois moins 3 fois A puissance 8, qui est égal à A puissance 4 fois moins 3, c'est moins 12, fois A puissance 8, qui est égal, maintenant je peux appliquer la propriété, le produit de deux puissances de même base, c'est A puissance moins 12 plus 8 est égal à A puissance moins 4. De la même manière, je peux calculer le tout en même temps et j'écris donc que c'est égal à A puissance 4 fois moins 3 entre parenthèses plus 8 est égal à A puissance, je commence d'abord par la multiplication, 4 fois moins 3 c'est moins 12 plus 8 qui est égal, voilà, A puissance moins 4, et on trouvera le même résultat. Voilà. Maintenant, on va calculer la dernière expression. Vous avez A puissance 5, le tout puissance moins 2, fois A puissance 6, le tout sur A puissance moins 8. Je peux calculer étape par étape comme ce que j'ai fait là-bas. D'abord, là, donc est égal à A. Je commence par le calcul, la simplification de cette, la puissance de puissance. J'obtiens donc A puissance 5 fois moins 2, fois A puissance 6,
le tout sur a puissance moins 8, qui est égal à a puissance 5 fois moins 2, c'est a puissance moins 10, fois a puissance 6, le tout sur a puissance moins 8. Ensuite, maintenant, je vais simplifier cette écriture, le produit de deux bases, de deux puissances de mes bases. On obtient donc c'est a puissance moins 10 plus 6, le tout sur a puissance moins 8. Je calcule et j'obtiens donc a puissance moins 4 sur a puissance moins 8. Maintenant, j'ai le quotient de deux puissances de mes bases qui est égal donc à a puissance moins 4 moins moins 8. Enfin, je trouve a puissance moins 4 plus 8 est égal à a puissance 4. Je peux même faire de même, calculer le tout en même temps. C'est 5 fois moins 2 plus 6 moins moins 8. Et je calcule le tout, je vais obtenir a puissance 4. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.